Hey, salut les performeurs, aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va prouver l'efficacité de mon produit ADR Performance dans la vraie vie, c'est-à-dire je suis venu sur un parking dans ma charmante ville alsacienne d'Aubernay pour chercher un peu des voitures, des proies qu'on va pouvoir améliorer. On va voir ensemble ce que mon produit peut faire pour vous améliorer la partie cosmétique de votre véhicule. Allez, c'est parti! Les phares aussi. Les nouveaux phares après les années 2000, transparents comme ça, vous savez, sur certaines marques qui ont tendance à passer à jaunir avec le produit, pas de problème de vieillissement parce qu'il y a un filtre anti-UV dedans. Tout ce qui est moustique, tout ce qui commence un petit peu à devenir jaune, ça marche aussi. ADR 500 sur vos phares aussi, regardez ça. On en met. Bon là, on voit bien que c'est une voiture qui n'a pas été nettoyée depuis un petit moment. Hein, donc on va laisser un peu agir le produit, quelques secondes qui pénètrent dedans. Moi, comme dit, j'utilise toujours ces petites éponges parce que ça ne raille pas. Ça permet de faciliter un petit peu le nettoyage. Et puis, bon, l'avantage aussi que j'ai avec ces éponges-là, c'est que je peux les nettoyer facilement à l'eau. Alors que si on prend un t-shirt, bon, bah, il va salir vite et il faut le nettoyer tout de suite à la machine, quoi. Donc voilà, on frotte, tranquille, tout doux. Vous voyez, pas besoin d'un effort surhumain. Donc toujours pareil, si votre phare il a quelques années, qu'il est déjà usé, bon, bah, forcément, il faudra renouveler l'opération pour essayer d'avoir le meilleur résultat possible. Moi, ce que je conseille, c'est toujours pareil, c'est l'entretien. Plus vous faites d'entretien, moins ça va s'user. Ça, c'est sûr. C'est clair et net et c'est valable dans tout. Donc voilà, l'idée, c'est de vous montrer ce qu'on peut avoir déjà en une fois. Là, on a des petits insectes, on voit qui ont collé. En plus, en ce moment, on est en plein mois de juillet, donc forcément, ils sont bien, bien, bien secs. Toujours difficile à enlever. Alors qu'en plus, autre avantage, c'est qu'une fois qu'on a utilisé le produit, on laisse une pellicule de protection qui permet aussi, la fois d'après, de faciliter grandement le travail. Donc, à tous mes nouveaux clients, gardez la pêche. Si la première fois, vous trouvez que vous en avez un petit peu chié parce qu'effectivement, il faut un peu d'huile de coude, c'est normal. Mais rassurez-vous, quand vous ferez votre véhicule pour la deuxième fois, vous gagnerez déjà énormément de temps. Voilà, voilà. On voit que le produit sèche tranquillement. Tant qu'il n'est pas totalement sec, on peut continuer de frotter. Ce qui donne aussi le pouvoir lustrant, ce qui fait en fait que ça va nettoyer vraiment tout ce qui est accroché, c'est quand le produit commence à sécher. C'est pour ça que je conseille vraiment d'utiliser une petite quantité de produit, de l'étaler au maximum, voilà, afin d'avoir vraiment un bon pouvoir lustrant. Donc en plus, c'est économique. Voilà, un petit peu dans tous les sens pour être sûr d'enlever vraiment la saleté. Et après, on pourra faire la comparaison entre ce phare et l'autre. Bon, je ne vais pas laisser cette dame avec un seul phare qui brille. Hein. Je vais lui faire l'autre phare. Vous inquiétez pas. Voilà. Ensuite, un petit chiffon propre. Et voilà. On peut venir voir ce que ça donne. Donc là, toute cette partie-là, on va renouveler l'opération. Et après, bon, bah, si c'est à l'intérieur du phare, malheureusement, là, il faudra démonter le phare ou envisager de le changer. On peut tout de suite voir la différence qu'on a entre ce phare et l'autre. Et on se rend compte que le produit est nettement efficace.